vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il y a une justice en ce monde, ne me laissez pas y aller avec... Oh non. Non, Théo. Oh non, pitié, Théo. Non, non, non. Allez, viens, Fifou. On part à l'aventure tous ensemble, c'est super. Pourquoi, Théo? Je veux pas aller avec toi. Salut à tous, c'est Filrong, yo les Trashers. On se retrouve aujourd'hui dans le troisième épisode de Pokémon Uranium. Et le défi de la semaine que vous avez choisi, c'est que je ne dois utiliser qu'un seul Pokémon. Vous choisissez vraiment, je crois que vous faites exprès en fait de choisir forcément les défis les plus relous. Donc je pense que la semaine prochaine, ce que je vais mettre comme défi, c'est avoir un t-shirt vert, avoir un t-shirt rouge ou avoir un t-shirt bleu. Bon, en tout cas voilà, donc vous m'avez dit d'avoir un seul Pokémon pour tout l'épisode. Donc on va sélectionner un Pokémon, on va utiliser John Michon. Je pense que c'est le plus adapté de tous les Pokémon. Et ça c'est la reine. Qu'est-ce que je fais? On va où là? On va par là. C'est parti. Oh là là. Je peux utiliser que John Michon. Oh, c'est pas un dresseur lui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon à découvrir ici? Ah bah on s'en fout parce que de toute manière je pourrais pas l'utiliser. Oh, bon en même temps, Abo. Est-ce qu'il y a vraiment des gens dans les commentaires là, vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà replanté des baies? Personne ne replante les baies. Moi j'ai jamais replanté de baies de ma vie je crois. Oh une Pokéball. Elixir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, une autre Pokéball. Oh dis-moi que c'est... Séisme! C'était pas séisme. Oh, une pépite. C'est bien, c'est une pépite. Est-ce que j'ai assez de potions? Je crois que j'ai plus de potions. Bonjour. Je suis fatigué de courir. Let's battle. Allons-y. Gerbolta. C'est très moche. Je l'ai déjà vu, mais bon, vous l'avez pas vu. Je l'avais déjà vu. Je l'ai déjà vu dans le... Dans le cadeau mystère, on m'avait dit d'utiliser le cadeau mystère et j'ai eu ça. Bon, comme c'est pas très épique un cadeau mystère, je préfère capturer les Pokémon où je l'avais pas mis, mais... Niveau 20. Allez John Michon, encore 9 niveaux. Pas art. Oh. John Michon, tu joues avec le feu là, mon ami. Critique et je suis mort. Hein. Oh là là, John Michon! Il est un peu mieux que Patou quand même, ce Pokémon, hein, faut bien l'avouer. Allez, Carlton. Je t'ai défoncé ta race, retourne courir. Hein. Le jogging, c'est pour les tafioles. Non, c'est faux, j'adore ça en plus. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant, je te vois là, sur ton clavier, là, en train de dire Filrong, moi je fais du jogging 3 fois par semaine et c'est trop bon pour ma santé. J'aime courir. J'ai eu des phases où je courais beaucoup dans ma vie. J'ai couru un marathon. Je suis au courant. C'était une blague. Ce n'était pas sérieux. Je rigolais. Oh, parce que je vous jure. Hein, en fait, je crois que c'est un peu ma tribu. Je pourrais commencer à faire des allusions politiques, je pense. Tu vois? Ah, ça n'arriverait pas dans un monde gouverné par... Nope. Super potion. Bien pratique ça. Oh! Bah alors, je t'ai esquivé, mec! Puissance cachée! Alors attends, il faut que je check. Bien sûr. Tout le monde peut l'apprendre, on va l'apprendre à tout le monde. Pas tout! À la place de retour qui ne sert à rien, c'est une attaque spéciale, donc c'est mieux pour lui. On va l'apprendre à Michel Oiseau. À la place de... Bah, j'aime pas trop Flash, c'est pas dans ma nature d'utiliser Flash de toute manière. Et on va apprendre à tout le monde, on va checker ce que c'est. Et lui on va lui apprendre à la place de quoi? Ah putain lui il a pas des masses d'options. En même temps Match Lab c'est vraiment de la merde, d'accord? Ouais mais en même temps c'est ce qui m'a permis de tuer... Je le sens bien. Je sens qu'il est bien. Et d'ailleurs vous savez quoi, on va aller tester ça. Et ça tombe bien parce qu'il y a des... Alors voyons voir.
John Michon, il a... Alors, il va falloir être intelligent, donc c'est parti. Donc, PC. Lui, il a PC. Une PC super efficace. Oh, je crois qu'il a PC Roche. Alors, c'est soit PC Roche, soit PCO, soit PC électrique. PC Roche, PCO, PC électrique. Ok. Donc, on se rappelle, dès que je trouve un Pokémon... Un Pokémon qui est dès que je trouve un Pokémon qui est susceptible d'être faible, soit ou de résister l'électricité ou l'eau, je le fais. Oh non. Ah ouais, mais bon, bah, en même temps, je peux pas changer d'attaque, hein, j'ai dit. Chiant lui. Oui, bah oui, je dors, évidemment. Je peux pas switcher. Ah, Fortok, parfait. C'est pas un type O lui? Si, c'est un type O, ok. Donc, soit il résiste. Ok. Soit il va résister à mon attaque. Ok, c'est PC électrique que j'ai. C'est pas dégueulasse en vrai un PC électrique. Hein. Je me plains pas. Hein. Ça aurait pu, j'aurais pu avoir PC insecte, tu vois. C'est pas vraiment très intéressant. Ah, c'est pas mal PC électrique. Surtout, surtout quand t'as un type feu. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard boiteux. Mais, PC électrique, je me plains pas. Je me plains pas. Pour passer les types O notamment, ça me va parfaitement. J'aime bien le thème de la bataille du truc. Équence utilise bit. C'est très efficace sur vos mères. Je m'excuse pour cette blague. Putain, mais lui aussi il fait bite, hein. Arrêtez de faire bite. Arrêtez de faire bite si vous voulez pas que je fasse des blagues de merde. Voilà. Oh non. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh non, s'il vous plaît. Ah non, c'est bon, ouf. Il veut que j'ai un compagnon. Moi, je suis toujours empoisonné. Ah oui, je suis empoisonné parce qu'en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir je suis allé sur des mobs de bas niveau pour voir les puissances cachées de mes compagnons. Et donc, j'ai des bonnes puissances cachées. Pastou a une puissance cachée roche, ce qui est très très fort avec le type feu. Alors ça, pour le coup, c'est même utilisé en stratégie. Et Michel Oiseau, lui aussi, hein, a une puissance cachée de type électrique. Donc, finalement, je suis plutôt très content. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible, c'est un poisson. Ma PC électrique va te défoncer, mec. C'est poisson psy, c'est sûr, hein. Vu son look. Oh, trop stylé, confusion. C'est bien fait. Heureusement que j'ai PC électrique pour me débarrasser de la vue de ce truc le plus vite possible. Hein. Quelle horreur! Qu'est-ce que c'était moche! Putain, il y en a un autre. C'est tellement laid! Ah! Trop belle l'attaque! Trop belle l'attaque choc mental. Oh putain, le coup critique. C'est tellement moche comme Pokémon! C'est horrible, j'ai jamais vu ça! Ah! C'est quoi ce... C'est pas le cri de... Ça me dit quelque chose ce cri là. Le cri... Ça doit être le cri de... C'est pas Dardanian, un truc comme ça? Oh. Oh non, 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 non. Théo, s'il te plaît. Les Pokémon sont très hostiles ici. Ils sont très violents envers les dresseurs. On ne t'autorisera pas à passer... Oh, c'est le badge de la reine. Tu dois être fort. Mais je ne peux pas te laisser y aller seul. Oh non, 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 non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il y a une justice en ce monde, ne me laissez pas y aller avec... Oh non. Non, Théo. Oh non, pitié, Théo.
Non. 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 Allez, viens, Fifou. On part à l'aventure tous ensemble. C'est super. Pourquoi Théo, je veux pas aller avec toi. Ah putain, j'ai rarement autant détesté un rival. Bon bref. Oh là 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 là, putain Théo, je te déteste. Avec son chat nul là. Ah, du coup, c'est pas mal, il va me soigner. Est-ce que tu viens de faire une attaque plante sur un Pokémon poison? Putain, mec, s'il te plaît, respecte-moi. J'ai presque envie de le tuer, je me demande si ça me ferait de la XP. Quand même, hein, Théo, hein. J'espère que c'est pas trop long hein, comme grotte, parce que sinon... Oh, ils sont mignons. Oh là là, Théo, je déteste ton nom. Oh là là, vous avez vu? Vous avez vu ce cul qu'il a? Oh mon dieu, Théo. Je retire tout ce que j'ai dit. Tu me rends tout chose. En plus, ça fait laguer le jeu, j'ai l'impression. Ça fait un peu laguer le jeu, non? Ah, ça va. Ah non, c'est typo, ça, hein. Ah oui, mais j'ai PC électrique maintenant. Et voilà, PC électrique. Plutôt pratique le PC électrique, hein, je dois bien l'avouer. Hein, pour passer les types hauts. Tant que l'adversaire n'a pas un haut sol, finalement, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Un commit? Un comité! Tu vas prendre un Rock Smash dans la gueule, toi. Ouais, type roche, évidemment. Bon, c'était sûr, mais bon. Lol. Et ben voilà, il sait même faire du focus. Celui de gauche en premier, toujours. J'adore comment ça se répond, c'est mignon. Oh non. Oh là là, commit là. Voilà, va crève quand même. Voilà la puissance de Théo. Avec son chat pinceau là. Son chat en métal. Son chat de plante en métal, ce qui est quand même un peu... Bah alors Théo, t'as peur? See ya motherfucker. Ah non. Théo, je t'aime pas. T'as des belles fesses. Ah ouais, mais merde, il faut pas que je fasse des blagues sur ça, putain, c'est un enfant. Oh là là, après les gens ils vont mal parler de moi. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Évidemment, c'est de l'humour, hein, je rappelle, lol, fun. Pardon. De toute manière. Oh, il y a un danger là-bas. Oh mon dieu. Que se passe-t-il? Oh, mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Théo. Théo. Théo, reste en haut, s'il te plaît. Fallait pas me suivre, il y a un danger ici. Mon dieu, je sens qu'il se passe. Je sens qu'il va se passer quelque chose, je sauvegarde. Mon dieu, j'ai peur. Je suis sûr que là, il y a juste une Pokéball. Oh non, ce lourdeau! Je vais le capturer. Je vais le capturer pour la simple et bonne raison. Qu'on sait jamais. Qu'est-ce qu'il a fait là? Eh hey, il m'a fait dépit. Si t'arrives à tenir les deux attaques, j'essaye de te capturer. Alors. J'utilise même une Super Ball. Et vous savez comment on va l'appeler? Moi je sais comment on va l'appeler. C'est
toi. On va l'appeler c'est toi. Parce que c'est toi. Toi là. Pas l'autre, hein. Toi. Toi là. Celui qui regarde là maintenant, là. Toi qui est en train de regarder, c'est toi. Tu ressembles à un arceau lourdeau, voilà. Mais oui, c'est clair. Je dois avoir. Je crois que j'avais acheté des repousses. Hein. Ah ouais, parce que c'est chiant ce jeu. Hein. Ah ouais, j'en ai acheté 5. Ah ouais, parce que sérieusement, les mecs. Oh, moi, les grottes, c'est bon. Hein. C'est, ils sont vraiment vénères hein, sur les rencontres dans les grottes hein, ici. Oh mon dieu. Il y a quelque chose en face. Et si on y allait? Oui. Oh mon dieu. Oh, on y allait jusqu'au bout. Oh mon dieu, 3 petits points. Oh, les 3 petits points comme ça dans les jeux. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Théo, non! Je ne peux plus revenir en arrière! Oh mon dieu, il a fui comme une merde. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh, c'est l'évolution de... Les types sol et X. J'ai pas de... Je vais baisser sa défense. C'est ce qu'on va faire. Bah non, pourquoi je fais pas mon attaque de type feu? Je suis con. Je m'y sens. Je crois que j'ai un revive. On va laisser mourir Hugo posé. Je crois que j'ai un... Oh oui, j'ai un revive. J'ai dit que j'utilisais un seul Pokémon. Donc je ne triche pas. Putain, il m'a fait growl. Poison gaz. Ah, Hugo posé, allez. Honnêtement, attendez. Moi, vous savez quoi? J'ai peur d'un truc. J'ai peur que je fasse mon attaque feu et que ce soit un type dragon. Parce que regardez son look, on dirait un dragon sous terre. Mais je vais faire retour. Je suis sûr il est type dragon. Voilà, c'est mieux comme ça. J'avais trop peur. Ah bah voilà. Ah Théo, t'es re... Mais... Quelle flippette de la vie, le mec il est parti. Oh mon dieu. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Eh, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Les Pokémon se sont calmés. Tu as fait un Terlard. Ils sont très dangereux. Mais j'aurais dû le capturer, je suis trop con. Non! J'ai complètement oublié de le capturer. Et là, je sors de la grotte et je bats 3 dresseurs, mais si je vous le dis pas, et ben il paraît que après c'est pas bien. Bon, tu sais quoi? On va bouger cet été où sont notre évolué. J'ai la nuit qui tombe dehors aussi et puis du coup bah ça fait que mon fond vert, regardez, il est en train de faire de l'ombre. Oui, j'ai vécu ici depuis que j'étais une petite fille. Les montagnes sont difficiles à vivre, mais je suis encore aussi pleine de cœur comme une jeune fille. Lololol. Ah, la base Tandor, c'était 2 volcans. Les deux dorment en... Oh. C'est Professeur Surfeur. Comment ça va? C'est pas le meilleur moment pour venir. Oh mon dieu. Il y a une emergency, une urgence à Cypress Lab, au laboratoire. Oh mon dieu. Ok. Oh d'accord, il est content d'être tombé sur moi parce que je vais pouvoir l'aider. Ah, je ne peux pas expliquer. Viens au labo. D'accord, je suppose que j'ai pas le choix. Bonjour. Voilà, je suis venu ici de mon plein gré. Ernest. Est-ce que tu as trouvé le voleur? Est-ce que c'est cet enfant? Oh là là, merde. Et écoute, mon enfant, tu t'es trompé. Enfin, t'as mal choisi ton endroit pour voler. Attends, Lily, attends. C'est pas le voleur, c'est Fifou, mon assistant de la recherche. Mon assistant de la recherche, merci les traductions. Oui, d'accord. Je passais dans le coin, c'est un dresseur Pokémon. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Bien sûr! Pourquoi tu parles de moi? Il dit they. Et they, ça veut dire
Ils. Pourquoi tu fais comme si on était plusieurs dans ma tête? Je veux dire, bon. Bref. Tu es l'enfant de Kaline. Oh non! Oh, maman! Non, ça va. Je suppose que je peux te croire. Je suis Lily Cypress, la professeure Pokémon ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a quelqu'un qui t'a volé, blabla. Ils ont volé les Pokémon, blabla. C'est bizarre, ils ont complètement oublié les trucs les plus importants, blabla. Le prototype qui permet de traduire les paroles des Pokémon n'a pas été volé, blablabla, 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 blablabla. Ils ont juste volé des Pokémon. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu es de retour, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé un des Pokémon. Ah, il était sur la route 06, c'est excellent. On va utiliser le truc de traduction sur le Pokémon. Oh mon dieu, oh je sens très mal. Il a peur, j'étais dans ma Pokéball. Je dormais et je bougeais. Mais c'était pas un copain, c'était un autre. Ils l'ont pris dans la cave de la montagne. Et il m'a laissé tomber, je suis le truc, ok. C'est la route 06, ok, oh mon dieu. Ok, comment on le capture? Mais je vais le battre en duel et puis il va se rendre comme d'hab. Allez. Oui, voilà, allez, c'est bon. Voilà, le voleur, je vais... Oui. Oui! Putain! Oh là là! Ces textes à l'infini parfois. Coucou! C'est trop mignon! Pas d'humain permis? Défoncer ton anus, toi, avec ton look de merde, là. Hein? Tu fais le malin? Non, mais c'est lui qui va me dire où je peux aller. T'es un Pokémon, hein. Tu ne mérites pas la vie, tu es un esclave, hein, je te rappelle. Hein. Voilà. Oh, il a disparu. Ah oui, ça va être 3 petits points, il suffit de tester. Il a demandé de poser le voyager, il fait 10, je trouve ça dommage. Je sais pas, vous faites la machine. Je vais pas me taper, hein. Oh mon dieu. Attends, c'est un oignon, non? C'est un Pokémon oignon. Bonjour. Garly Kid, Garly Garly. Ah non, c'est un aïe. Garlic, ça veut dire aïe. What are you doing here? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu essayes de rendre les Pokémon des esclaves? Ils ont été libérés! Ils ne seront plus jamais des esclaves! Oh mon dieu! Le Pokémon héros Garly Kid! Je les ai trouvés et je les ai libérés! Oh putain, il me le faut dans mon équipe, il est trop stylé! Oh putain, il me le faut! Ah non, mais non, c'est un. Ah, c'est dommage! Lune la pupe? Non, ce Pokémon. Je peux pas le capturer, c'est dommage. J'aurais trop aimé le capturer. Vraiment. Mais bon, je peux pas. Ah bah je t'ai brûlé mon pauvre. Oh il essayait de se set up. C'est quoi son set? Attends, Luna, donc ça veut dire que c'est type... S'il résiste le combat, ça veut dire qu'il est type fée. Ou psy. C'est neutre, donc je me dis qu'il doit être normal psy ou un truc comme ça. Oh oui. Oh putain, il veut apprendre magnitude. Oh magnitude, mais je sais pas quoi enlever. Bon, je vais enlever retour, parce que retour, je peux le réapprendre. Oh mon dieu. Il est trop beau, lui aussi. Magnitude 7. Oh, c'est un type poison. Ah. Trop stylé. Bash, c'est là. Oh, c'est l'évolution du type... C'est l'évolution de l'autre truc là, c'est trop marrant. Oh là là, j'adore ce jeu. Par contre, magnitude 6, c'est pas bien. Ok, on refait magnitude 10 cette fois. J'ai confiance. Allez, cette fois tu peux le faire. 3 fois magnitude 6. A plus sous le bus, à demain sous le train, à ciao dans le métro, à jamais sous le tramway. Oh, ça marche, à jamais dans le tramway. Garly, we lost, nous avons perdu, mais comment?
Oh non! Pourquoi ces Pokémon combattent pour des humains? Ils ne veulent pas leur... Oh non, putain, c'est N. Ils sont tes amis, c'est impossible. Non, c'est pas mes amis, non. Tu crois que John Michon, c'est mon ami? Non, gare liquide. Non, ils s'en vont. Ah, c'est lui qui l'avait volé. Oh, c'était un Pokémon qui essayait de les sauver. C'est trop mignon. Il y a un truc ici, à part une grotte de merde. Non, il y a rien. Trop adorable. Oh, j'ai sauvé les Pokémon. Fifou, tu nous l'as fait. Tu as sauvé tous les Pokémon. Oui. Nous avons suivi. Au cas où t'avais besoin d'aide, tu sais. On a vu tout ce qui s'est passé. Oh, c'est un Pokémon. C'était pas un homme, c'était un Pokémon. Ouais, c'est un Pokémon appelé Garlikid. Ils sont très rares. Je ne les ai pas. J'en ai pas entendu parler de deux depuis très longtemps. Leur habitat, c'est un endroit planqué dans les montagnes. D'accord, ça ne rencontre pas souvent des humains, oui. Je ne serais pas surpris si celui-là n'avait jamais rencontré d'homme. Oh mon dieu, ça a un grand sens de la justice. Bla bla bla, il a pensé qu'on les gardait prisonniers, d'accord. Ils ont attaqué parce qu'ils étaient trop excités. Peut-être que Garlikid... Putain, Garlikid, sérieusement, c'est l'enfant Aïe, le nom, quoi. Bref. Ok, on va être sûr que nos Pokémon ont plus de freedom. Ok, super. Magnifique. Merci beaucoup. Tu peux garder ton prototype PST. Oui, bien sûr. Comme ça, j'ai un Pokédex. En plus, je peux traduire les pensées des Pokémon. Super. A plus. Bon, bah voilà, on a fini cet épisode. John Michon, du coup, a pris pratiquement 10 niveaux alors que les autres ont pris 0. Bon, allez, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.